Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? Marchez-le. Donc, on part l'échauffement. Marchez-le. On veut être dans la musique. C'est agréable d'être dans la musique. Cela dit, si vous n'êtes pas dans la musique, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Faites juste marcher. L'important, c'est d'être en mouvement. C'est ça, la mission. Marcher, ou du moins une partie de la mission de la journée. C'est l'échauffement. Donc, je vous rappelle que c'est un entraînement express de moins de 15 minutes. Alors, bonne nouvelle. Vite fait, bien fait. En deux temps, trois mouvements, vous allez passer à autre chose. Et avec un peu de chance, peut-être que ça va vous donner le goût de bouger encore plus. C'est ce que je vous souhaite. C'est la mission que j'ai. Partager le bonheur de bouger. Alors, marchez de façon encore plus dynamique. Si vous êtes sur votre divan, si vous êtes encore allongé, levez-vous, essayez donc ça avec moi. Je vous promets un entraînement efficace, agréable, OK? Pas facile nécessairement, je peux pas vous promettre ça parce que dans la vie, quand on veut des résultats, il faut travailler, right? Tirez le genou pour 4, regardez. 4, 3, 2. Et ne vous inquiétez pas, quand je fais un nouveau mouvement, si vous ne l'attrapez pas tout de suite, si vous ne l'avez pas du premier coup, tout à fait normal. Et je vous dirais même que c'est très possible que vous ne l'ayez pas parce que vous allez vouloir le voir d'abord. Alors, ne vous mettez pas cette pression inutile. Faites juste bouger, OK? Vous enchaînez les mouvements là, comme vous pouvez. Je mise toujours avec vous sur la qualité du mouvement sans vous bousculer, OK? Alors, vous faites ce qu'on appelle un « repeater ». On répète le mouvement 4 fois. Tire le genou 4. Encore 4. Faites-le un petit peu plus grand, ce qu'on appelle une amplitude plus grande. Moi, ce que j'aime travailler avec vous, c'est la finition de mouvement, la perfection d'un mouvement, mais pas dans l'absolu, juste bien faire les choses. D'accord? Donc, pensez à allonger la colonne. Pensez à développer votre conscience corporelle et pensez à la finition du mouvement, OK? Maintenant, je fais ça encore quelques fois. On l'appelle « repeater genou ». C'est un terme universel. J'en fais 4. Ça, ça va pas changer. Je vais faire 4 genoux, mais regardez ce qui va arriver. Double. Simple, simple. Si vous comptez le nombre de répétitions, ça reste 4. Mais j'en fais 2, puis ensuite j'alterne. Donc, 2 et 1. 1-1, je devrais dire. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis allée mettre un saut parce que c'est tellement plaisant. Si on peut sauter, bien entendu. Vous voyez avec votre médecin, avec les gens que vous consultez, parce que c'est important qu'on fasse un entraînement dans la sécurité. Double. Donc, si je le saute pas, je garde mon genou alterné. Elle va en train d'être un petit peu essoufflée. J'espère que oui. Pousse. Plie et montez. Et j'allais dire augmenter l'amplitude. Oh boy! Pousse, lève. Trois autres. Je vais vous en demander deux autres. Ensuite, je vais vous garder sur les genoux. Alternez. Vous êtes prêts? Ça se passe maintenant. On reste ici. Rapprochez, pousse-lève. Un mouvement que j'aime beaucoup. Plie, plie. Plus que 12. Est-ce qu'on est capable? Oui. 8, 7, let's go. 6, tenez bon, il en reste 4. Je suis avec vous. 3, bien joué. On passe au prochain segment. Suivez-moi en position quadrupède. Vous savez certainement que vous avez le choix entre une position sur les mains ou sur les poings. Et vous allez voir, moi, en fait, j'alterne. Juste parce que, à un moment donné, je suis moins confortable ici. Je vais me placer sur les poings. Et je devrais pas dire confortable parce qu'en fait, c'est jamais supposé être confortable. Allez placer vos pieds comme il se doit. Voyez-vous ce que j'ai fait avec mes orteils? Je les ai placés, là, je les ai ancrés au sol. Et on s'installe ici. Parlons technique quelques instants. Respirez bien. Regardez, la tête devrait être en prolongement du dos.
lorsque je communique avec vous, je le triche. Mais vous devriez vraiment penser à allonger la colonne, rester en position. C'est le fun de savoir que les choses simples sont efficaces. Je pourrais vous garder ici, mais je vais vous donner des options. Mais je pourrais tellement rester là 2-3 minutes, puis ça serait super efficace. À tout moment, vous allez sur les genoux quand vous en avez besoin. Pensez à pousser le nombril vers la colonne. Je ne veux pas que vous ayez mal au dos. Ça se passe dans les abdos, ça se passe dans les bras. OK? Allez-y. J'aimerais mettre sur les mains. On y va. Restez là. On respire. Respirez bien. Je vous garde un autre 30 secondes. Par la suite, je vous donne une alternative sur une jambe pour rester ici si vous le souhaitez, d'accord? Vous êtes prêts? On y va maintenant. Vous allez allonger une jambe ici sur le côté. Vous revenez, replacez-vous le plus près possible du sol au niveau des genoux, les genoux en ligne avec les hanches. D'accord? C'est là que la conscience corporelle rentre en jeu parce que vous n'avez certainement pas de miroir autour de vous ou peut-être un petit miroir. Et même pour moi, on se déplace des fois dans les mouvements. Faites juste attention à ne pas sentir les articulations. Hop! Je vais y aller un petit peu plus vite. Vous choisissez de m'accompagner ou pas. Hop! Et reviens. Gardez les genoux qui frôlent le sol, d'accord? Dans quatre, on garde la pause. Smile. Dans deux. On reste ici. Reste. Ajustez au besoin. Si la surface glisse, on a besoin de s'ajuster. Restez là, restez là. Pour 8. Êtes-vous bon pour 6? Plus que 4. Lâchez pas. On passe au prochain segment. On poursuit au sol. Venez vous installer avec moi en position planche sur les avant-bras. Ça va comme ça? C'est à peu près les mêmes consignes, c'est-à-dire pousser le nombril vers la colonne. Évitez de sentir votre dos. Sentez une fatigue musculaire au niveau des abdos et des bras. OK? Au niveau du transfert de poids, si jamais vous avez besoin de le faire, et je le conseille, c'est d'aller doubler votre tapis. OK? Mais l'important, c'est que le transfert de poids se fasse sur l'ensemble de l'avant-bras, pas juste sur les coudes. OK? On est là pour l'instant. Les mains. Moi, je bouge beaucoup avec les mains. Vous pouvez avoir les poings serrés, vous pouvez avoir les doigts plus loose à votre guise. OK? On reste ici. Est-ce que ça shake un peu? Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Si c'est très, très facile pour vous présentement, vous en voulez plus, n'oubliez pas de tout de suite passer à la variante un petit peu plus difficile. Pas que c'est plus... C'est davantage recommandé, c'est pas ça. C'est que si vous savez d'avance que vous avez l'habitude de faire des planches, à ce moment-là, vous allez dans le plus difficile tout de suite. OK? Un petit peu plus large. Descendez les genoux. Et remontez. J'attendais le punch. Petite transition ici. J'en fais encore deux. Dans quelques instants, je vais pivoter un petit peu, OK? Restez là, restez là. À vous de voir. Est-ce que les pieds, vous avez envie de les avoir un peu plus larges, moins larges? Je vais les replacer juste un petit peu plus rapprochés. En fait, un entre deux. Parce que je glisse un peu. Un, un. Continuez comme ça. Regardez si vous êtes mieux ici sur les genoux, vous le faites. Si vous êtes sur une surface qui glisse, repositionnez. Si vous êtes en bas, enlevez vos bas. Ça ne vaut pas la peine de garder ses bas, ça glisse. C'est pas sécuritaire. Moi, présentement, je repositionne un petit peu mes pieds. Faites-le pas si vous n'en avez pas besoin, OK? Ce que je veux, c'est que vous sentiez les obliques. Côté, côté. On a tendance à vouloir aller regarder en dessous, mais garder la tête en prolongement du dos. Il en reste 4. 4, 3, 2, 1. Restez ici ou relâchez. Même chose sur les mains. Exactement la même chose au niveau du mouvement. Prenez quelques instants juste pour bien vous repositionner. Trouvez la position des pieds qui est bonne pour vous. OK? Here we go. Côté, côté. Ça va? Ça fait squeech, squeech avec mes souliers. Encore. Woo! Plus vite, ça vous tente-tu? Faut pas trop s'écouter, hein? Si ça vous tente pas, faites-le quand même, OK? À moins que ce soit pas un bon mouvement pour vous. Il en reste 8. Mon tapis bouge. Il en reste 6. 4 more. Dans 4, c'est 3. 2, downward dog. Le chien tête en bas. Je viens de l'insérer juste rapidement. Il fait du bien au niveau de plein de choses, notamment le tronc et l'arrière de la jambe.
Êtes-vous bon pour un petit 4? Why not? Pourquoi pas? Rendu là, on est déjà dans l'action, alors c'est plus facile que de partir le bal. Restez en planche. Est-ce que je peux vous demander une dernière petite affaire? Bien, pas dernière, mais on va se dire une dernière chose concernant les planches. Celui-ci, une toute dernière fois. Pour aujourd'hui, on s'entend. Il en reste plus que 8, 7, lâchez pas 6, tête en prolongement du dos, 4 et 3, 2, 1. Bravo! Bien joué! C'est déjà la fin. Comment ça s'est passé pour vous? Je me suis déjà placée dans une position qui va aller chercher un étirement de l'arrière de la jambe, des ischio-jambiers. Alors, allongez la jambe, mais pensez aussi posture. Parce que, justement, la posture, il faut y penser autrement que pendant qu'on bouge. Et toutes les occasions sont bonnes, en fait, pour y penser. Alors, je vous invite à penser à ça pendant qu'on fait cet étirement. Pensez à récupérer au niveau de la respiration. Pensez à être dans le présent. Félicitez-vous. Vous avez bien fait ça. Inspirez. Expirez. On descend un peu. Êtes-vous capable d'allonger la colonne? Descendez. Maintenant, est-ce que c'est essentiel d'aller toucher les orteils? Absolument pas. Ce que j'aimerais, par contre, c'est que vous ayez la jambe droite. Donc, jambe droite. Quand vous allez le voir à la caméra, ça se peut que vous voyez une petite distance, une petite place entre l'arrière de mon genou et le plancher. Je veux que la jambe soit allongée, mais pas bloquée. Soyez là vraiment juste dans une position où vous maximisez votre étirement de l'arrière de la jambe. OK? On inverse. Je dis ça parce que des fois, quand je regarde les contenus, la jambe parfois a l'air pliée quand elle est complètement droite. Alors, je voulais absolument préciser ça pour pas que vous ayez l'impression d'avoir à plier. OK? Inspirez. Et surtout parce que je veux faire partie des gens qui font, qui appliquent les conseils que j'offre, si on veut. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas? Moi, j'ai tendance à aller agripper mon soulier. Je pourrais très bien rester ici, aller poser mes mains juste un peu en arrière des genoux, là où ça tire pas, où ça gêne pas l'articulation. Inspirez et expirez. Ça fait du bien. J'ai envie de vous garder là encore quelques instants. Ceux et celles parmi vous qui êtes un peu plus souples, peut-être vous allez avoir envie de faire les deux jambes en même temps. Ça serait comme ça. OK? Mais vraiment, c'est libre à vous. Je vais aller vous installer ici. Il nous reste quelques instants seulement. Je vous rappelle la citation de la semaine. Regardez vers le ciel, vers le plafond, dépendamment de où vous êtes. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Alors, regardez vers le haut, ouvrez, inspirez, expirez et revenez doucement. Ça va? Vers le haut, vers le côté. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de profiter de ce moment de bien-être et d'essayer de le conserver toute la journée dans vos activités, dans tout ce que vous allez faire, si vous êtes en vacances, si vous êtes au travail, si vous êtes avec vos enfants, peu importe. Je vous souhaite d'être optimiste, heureux et sur cette belle énergie qu'on va chercher pendant l'entraînement. Passez une merveilleuse journée. On se voit demain.